Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, pas pour une très bonne nouvelle, voilà. Je disais dans une vidéo précédente, la vidéo que je vous ai faite précédemment pour la carte avec du tissu, donc vous m'avez entendu pendant cette vidéo que j'avais reçu un message sur mon téléphone, donc on a été certainement nombreuses à le recevoir. Qu'il y avait une boutique qui allait fermer ses portes. C'est une boutique qui vend des encres végétales. Donc vous devez peut-être vous rappeler de cette boutique, c'est Art Bio. Voilà. Cette boutique a été lors d'un de mes concours partenaire. Pour un de mes concours, elle nous avait gracieusement offert justement un bon d'achat. Donc c'est pour ça que cette petite vidéo, me fait plaisir. Non, c'est pas le mot adéquat, mais enfin, je voulais faire cette petite vidéo pour parler de cette boutique qui malheureusement va fermer. Voilà, dans l'email qu'ils ont envoyé à leurs clients, ils expliquent que ça fait 6 ans qu'ils étaient ouverts. Et malheureusement, les choses étant, la conjoncture actuelle les oblige à arrêter maintenant. D'ailleurs, ils cherchent une personne qui pourrait peut-être reprendre leur société. Donc au passage, si des personnes qui voient cette vidéo, je remettrai le lien du site internet si des personnes sont intéressées, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est ça qu'ils vendaient, vous voyez, principalement, moi c'est ce que j'achetais chez eux, donc des encres comme ça, végétales, voilà. Donc là je vais en racheter parce que comme ils vont fermer, voilà, là où j'en ai plusieurs déjà. Et là, du coup, pour la fermeture, ils font un peu des promotions forcées. Voilà. J'ai un peu regardé, ils font un peu beaucoup à 50%. Ils doivent vider leur stock avant la fermeture définitive. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces encres, ils vendent d'autres choses aussi, des petites choses, ils vendent un peu de papier, de scrap, ils vendent des poudres végétales, ils vendent également, donc là moi j'achetais beaucoup aussi chez eux, donc là je vais certainement en reprendre des pochettes pour les pocket letters, voilà, je vais très certainement reprendre également. Ça va peut-être les aider qu'on puisse acheter encore chez eux, mais malheureusement c'est vraiment dans de mauvaises conditions. Et je souhaitais vraiment faire cette petite vidéo pour leur dire en même temps qu'ils avaient notre soutien dans cette terrible épreuve. Je sais ce que c'est puisque moi j'avais ma propre société il y a quelques années, il y a maintenant 5 ans, et moi-même j'ai dû fermer, liquider ma société, donc je sais ce que c'est. Je sais moralement ce que c'est et les épreuves par lesquelles on doit passer. Donc personnellement ils ont tout mon soutien et donc je voulais faire cette petite vidéo pour les soutenir et en même temps pour vous dire que n'hésitez pas à aller sur leur site internet pour acheter leurs produits et on sait jamais, si on allait tous acheter leurs produits, peut-être qu'ils fermeraient pas, on sait jamais. Mais voilà. Donc c'était mon petit coup de pouce personnel et mon petit je sais pas comment je peux dire, mais enfin bon, voilà. Je suis vraiment c'est pas déçu, c'est malheureuse que cette petite boutique doive fermer. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour eux. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec cette vidéo. Voilà.
Je vous remets le lien de leur site internet. N'hésitez pas à aller voir leur site, à leur passer commande. Ça les aidera en même temps. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. À bientôt. Je vous embrasse tous.